À partir de vues prises en novembre, décembre et janvier, suivons le mouvement des eaux autour d'Assigné. Le Chevret, rivière de seulement 45 km de longueur, est plus réactif que la Vilaine, débordant un ou deux jours avant cette dernière. Comme tous les ponts, celui de Maillé fait un petit goulot d'étranglement. Après l'afflux d'eau par le Chevret, prenons le cours principal de la Vilaine, en bleu, et descendons la rivière de la Moinerie à l'est vers Assigné. L'eau a rempli le cours principal. On laisse la Varbière à droite, puis on passe la route de Noyal à Liffré pour s'approcher de la Motte. Vous quittez vos bottes. Les vannes du moulin sont grandes ouvertes. Maintenant, essayons de retrouver le bras mort en vert. Avec le lit principal, il délimite une ancienne île tout en longueur en face Assigné. Commençons notre parcours à la sortie de ce bras mort, au pied du village du Val-Froment, à l'ouest. Le partage en deux bras est particulièrement net à ce niveau. Le bras sud est un bras mort, mais il se remet en eau couramment. Remontons à contre-courant et quittons le bras principal pour suivre le bras mort d'aval en amont. Le bras serpentait parallèlement la route du Val-Froment, puis la traversait un peu avant les maisons. C'est à cet endroit, d'ailleurs, que la route est coupée le plus rapidement. Ensuite, le bras s'incurve et longe la ferme du Puy Gautier. Sa concavité n'est guère perceptible à ce niveau, le terrain ayant été beaucoup remanié en face du pont d'Assigné au cours des siècles, lors des aménagements successifs de cette zone de circulation. De l'autre côté de la route d'Assigné à Noyal, le bras réapparaît d'abord sous forme d'un très large fossé, toujours plus ou moins en eau sur cette première portion. Il longe le chemin qui se prolonge en sentier jusqu'à la Moinerie. Il passe sous la route de Noyal à Liffré, où un canal a été ménagé. Nous voici à la Moinerie, l'ancienne entrée du bras mort.
Finalement, nous avons parcouru la grande boucle formée par le bras actif et le bras mort de la vilaine devant Insigné. Le lit majeur, c'est toute la partie inondée en cas de crue, englobant le lit actif, les bras morts et les anciennes îles. Dans de telles périodes, Insigné prend une physionomie très aquatique.